L'observatoire de Lille fête un bel anniversaire, les 100 ans de sa lunette astronomique. 6 mètres de long, 32 cm de diamètre. En 100 ans, cette lunette n'a pas pris une ride. Aujourd'hui, elle sert aux étudiants de Lille 1, mais elle a vu le jour grâce à Robert Juncker, le fils d'un riche industriel du textile, féru d'astronomie. Alors, quelle est l'origine de cette lunette? Explication au micro de notre reporter Frédéric Regnault. Après la première guerre mondiale en 1914 et après 1918, donc, Robert Juncker a eu des difficultés économiques et a vendu la lunette à l'Université de Lille, qui a racheté les instruments, mais non pas l'observatoire. Il a préféré faire construire un observatoire ici même, à Lille, près des facs lilloises à l'époque. Et le bâtiment a été inauguré en 1934, mais la lunette qui a été rachetée par l'université est arrivée ici dans cet observatoire, c'est celle-ci.